Bah écoute, il faut respecter hein, et on n'a pas le choix, donc faut pas faire casse à tête. C'est notre santé, c'est la santé de tout le monde, donc c'est très important de respecter toutes les consignes. Donc Oui. après, nous sportifs, bah ouais, on fait système D, on fait comme on peut. Bah déjà, il y a eu un règlement. Il y a Jean-Luc Rouget qui. Déjà, ils ont fait un règlement au niveau judo international. Tous ceux qui étaient dans la ranking mondiale au niveau du judo ne pouvaient pas faire un autre sport de combat. Bon, c'était plus par rapport au MMA. Non, moi, ça ne manque pas le judo. Je suis bien dans le MMA. Non, ça manque vraiment pas. Franchement, depuis 2016, j'ai pas mis de kimono. Je suis très bien, je le vis très bien. Bah, ça me renforce mentalement. Je désire pas. Je me dis, il y a pire que ça dans la vie et en fait, je relativise toujours. Voilà, c'est pas. Je m'entraîne encore plus et je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne. Je lâche rien. Hein. J'apprends encore beaucoup de choses parce que voilà, ça fait que j'ai commencé en janvier 2017 à apprendre la boxe. Je ne savais rien faire en janvier 2017 et du coup, je me fais un plaisir d'apprendre toutes les techniques, tout. J'apprends tout. Je vais être dangereuse dans tous les domaines. Et je veux, si un jour, Inch'Allah, comme on dit chez nous, si je vais à l'UFC, je vais être dangereuse dans tout. Parce que là-bas, c'est le grand level et il faut être prêt. Voilà. Faut pas arriver avec des. Faut être prêt dans tous les domaines. Faut être fort dans tous les domaines. Faut pas négliger aucun domaine dans le MMA. Représente les deux nations, le Maroc et la France. Voilà, comme ça tout est clair. Je représente les deux pays. Voilà, je suis née en France, je suis française et mes origines sont du Maroc. Le Maroc, c'est voilà, c'est mon sang, c'est mes parents, c'est la terre de mon papa et je suis née en France. Je représente les deux pays. Les deux pays sont dans mon cœur. Voilà. Le combat de Johanna contre la Chinoise, c'était. Heureusement qu'elles étaient là. Bah, les combats chez les filles, c'est tout le temps sauvage, hein. Bah, écoutez, j'ai commencé le MMA à l'âge de 30 ans, donc sachant que voilà, j'ai une carrière dans le judo. Après, il n'y a pas d'âge. Après, tout dépend de l'objectif que vous voulez. Si vous voulez faire du haut niveau ou après, il n'y a pas d'âge vraiment. Oui, bon après c'est pas comme les hommes, mais il y en a. Que ça soit en loisir et en professionnel, il y en a. Bah écoutez Fernand, Fernand c'est voilà c'est le au-delà d'être mon coach, bah, c'est comme mon grand frère en fait. Fernand, je l'ai rencontré à l'INSEP, on était dans la même classe. BPJEPS. Et en fait, son projet de Sasa, je l'ai vu sur papier. Et en fait, il m'a parlé du MMA. Et je lui avais promis qu'après ma carrière de judo, je viendrais dans sa salle et faire du MMA. Moi, je pensais que c'était en mode loisir. Mais en fait, j'ai kiffé de ouf. Et du coup, bah voilà. C'est aller plus loin. Justement, je sais pas, mais c'est grâce à mon staff ou si je commence à avoir. Un niveau, donc on n'a rien sans rien, c'est le travail et l'entourage. Et voilà, j'ai tenu ma promesse, je suis venue au MMA Factory. Et voilà. Et moi, je voulais juste passer un petit message à tous les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Je voulais juste leur dire, je les remercie énormément parce qu'en fait, sans eux, nous ne sommes rien. C'est la vérité. Et moi, ils me donnent. Franchement, si j'ai pas craqué pendant ces 2 ans-là, c'est parce que j'ai reçu énormément, même après ma défaite, j'ai reçu énormément de messages qui m'ont donné le sourire, qui m'ont soutenu, qui m'ont donné la force. Donc, je les remercie énormément et tout ce que je fais, c'est avec eux, ma team et tout. Et donc, j'aurai toujours une pensée pour toutes ces personnes qui me suivent. Et je les remercie beaucoup. Voilà.